وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et on trouve des fois, le Masjid al-Haram, des gens ils vont vous reprendre. Ou... Alors que c'est ce que tu fais, c'est une sunna, mais il n'est pas habitué. Dans son pays, il ne connaît pas cette chose-là. Donc quand il te voit, toi, pratiquer cette chose, il vient te reprendre. Il dit, mon frère, c'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Alors que c'est lui qui a tort. Toi, ce que tu pratiques, c'est une sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous est arrivé pendant ça, et entre Safa et Marwa. Quand on passe les lumières vertes, il faut courir fort. Alors nous, on courait, machallah. Ah, il est venu me voir comme si j'avais fait un crime. Mais pourquoi tu cours? Il faut marcher doucement, il faut juste trotter. Je lui dis, le hadith, il dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il courait vite, etc. Non, 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 il n'a pas voulu accepter le muhim. Donc pour vous dire que pour reprendre quelqu'un, il faut de la science. Si tout ce que tu ne connais pas, tu le reprends, on ne va pas s'arrêter. Il faut que la personne qui reprenne, il a assez de science pour comprendre que cette œuvre est contradictoire à l'islam.